Mais c'est bien, c'est donner un thème à un album, à un travail, à un moment. Exactement. C'est bien de se donner une direction et des impulsions d'émotion. Et puis je suis hyper content qu'on ait pris la décision tous les deux de faire un album pas techno en fait. On pourrait danser dessus, mais pas en gros club, tu vois. Je sais faire de la techno, j'en fais avec mes potes, j'en fais tout seul, mais j'ai aussi une autre facette que j'ai jamais montrée, hein, parce que ça fait longtemps que j'en fais des trucs comme ça. Il y en a dans ton premier album. Il y en a un petit peu dans le premier album, mais là pour le coup, c'est vraiment, il y a que des tracks électronica quoi. Mais je suis hyper content qu'on ait pris cette décision. Par rapport aux albums, c'est en fait un album, tu fais une photographie d'une période de ta vie. Ouais. Et ça doit un petit peu parler de tout. Tiens, ces moments durs, ces moments cool, ces moments de passion, ces moments d'émotion, ces moments. Voilà, c'est vraiment une photographie de 2 ans presque, ou un an. C'est pour ça qu'il est important cet album. Avec toi, c'est toujours. On a une histoire particulière tous les deux, et qui est forte, très forte, et qui. Gonfle en permanence. Tu sens cette force de l'enfance et en voiture, je l'écoute beaucoup. Ah ouais. Et j'ai même eu du mal à le remixer. Ça, tu t'en es rendu compte aussi. Tu m'as fait faire 3 remixes quand même. Ouais. C'est qu'il est très fort et que je ne veux pas l'abîmer en fait. Voilà. En fait, cet album, je trouve qu'il a vachement de rapport avec ma petite finalement. C'est vraiment ça, c'est l'histoire des souvenirs que j'ai moi et je me dis quel souvenir elle a de 0 à 5 ans. Et aussi, plus elle grandit, au moins je m'en souviens, parce que du coup j'y pense de moins en moins à ces trucs-là. Quand tu grandis, il y a des souvenirs que tu oublies, quoi. Et il y en a qui restent.